Bonjour le manteau de Clément Chris, c'est les membres de Tardigrada. Voilà. Donc toujours au CMC Studio avec Tardigrava. Voilà. Donc bonsoir, comment vas-tu? Très bien, merci. Donc voilà, une micro-interview artiste à fan parce que voilà, j'avais que t'as poussé la chansonnette. C'est ça. Donc en deux mots. Qui Tardigrada? Tardigrada, c'est une sorte de diva guerrière. J'ai écrit un album qui vient de sortir, il est sorti le 8 avril, il est dispo sur toutes les plateformes, qui s'appelle Back from Ice and Fire, qui est un album de chansons que j'ai écrites et composées avec d'autres aussi, qui parlent de la résilience. En fait, globalement, c'est ça l'idée de mon album. D'accord. Et quelles sont tes influences musicales? C'est très large, j'aime vraiment beaucoup de choses. Moi, je viens du chant lyrique et j'ai fait ensuite du chant en musique actuelle et j'ai travaillé ma voix en jazz, donc c'est très varié. Principalement, les modèles que j'admire, c'est, je sais pas, Freddie Mercury, Amy Winehouse, Maria Callas, Dalida, c'est des grandes figures qui vivent pour la musique et qui ne mentent pas dans leur art. C'est ça qui me parle. D'accord. Je veux que tu as poussé la chose simple. J'ai une petite surprise pour toi tout à l'heure. Avec quel artiste aimerais-tu, cite-moi deux artistes avec qui tu aimerais travailler? Asaf Avidan. Et pourquoi? J'adore son univers, sa musique. En plus, je l'ai rencontré, il est incroyablement gentil. Et Jimmy Cullum, j'aime beaucoup, qui est un chanteur de jazz. Et a aussi Mathilde, qui est une copine à moi, mais du coup, voilà l'info. Ouais. D'accord, ça si jamais passera. Elle regarde, oui. D'accord. Alors, tes projets actuels, c'est ton prochain album. Tu l'as constitué en combien de temps? On a travaillé, alors moi j'avais déjà pas mal de chansons, ensuite on a fait un tri et puis j'ai travaillé avec mon réalisateur proprement dit un an sur la production de l'album, le choix des chansons, le travail de l'univers, la réalisation, etc. puis l'enregistrement. D'accord. On a vraiment bossé un an dessus et là il est sorti un an et demi après, on va dire. Un an et demi après, d'accord. Donc bah, je te remercie et je reviens tout à l'heure pour les remerciements. Merci. À tout à l'heure. J'ai une petite exclu pour vous, c'est une reprise que je vais travailler, j'en fais jamais, pour une certaine une chose secrète qui sortira peut-être bientôt. Essayez de deviner la chanson. C'est comme si c'était hier, je revois ton visage. Tu me dis comme tu es fière, moi j'ai quitté le rivage. Si seulement j'avais su ce que j'ai compris depuis. Je t'envelopperai dans mes bras et j'arracherai la peine. Je te demanderai pardon pour tout ça et j'effacerai tout le noir. Et voilà. Oh, bravo. Les remerciements à toi. Alors, je voudrais remercier CMC Studio pour cette magnifique soirée. Et j'ai fait les sessions, j'ai fait la formation TPM qui était géniale avec Guillaume. Vraiment, je recommande. Mais parle-nous justement de cette formation. Alors, moi, je ne l'ai pas faite aujourd'hui. Je l'ai faite en autre jour. Mais c'était vraiment... moi, j'ai déjà beaucoup travaillé sur tout ce qui est professionnel. Donc, je connaissais un petit peu. Mais Guillaume, il apporte vraiment d'autres visions. Il permet de recentrer, resituer les choses et de reprendre du courage et de la motivation. Et c'est hyper précieux. Donc, voilà. Ensuite, redis-moi ton nom et je te remercie. Clément Chris, merci beaucoup pour cette jolie interview. Et puis après, je remercie évidemment toute l'équipe avec qui j'ai travaillé. Il y a beaucoup, beaucoup de noms, donc je ne vais pas tous les citer, mais sur l'album, les clips, la promotion, voilà. Merci à toute mon équipe. De le meilleur à venir. Merci pour l'interview. Ouais. J'ai une photo tout à l'heure. Et voilà, je te dis à bientôt. Et à bientôt. Merci à tes amis qui te soutiendront.